Bandi aksam touye 6 policiers nan Liankou et c'est gang sa vient qui sacrifie policiers sa yo. N'a gade image sur tout réseaux sociaux, donc c'est vraiment triste pour n'a gade comment policiers continuer à pas tomber en babal la bandi. Ça fait environ 13 policiers qui ont perdu la vie seulement pour année 2023. Donc nous allons venir avec des détails et gagner go et scandale qui pétait dans la cour pays États-Unis côté FBI mettait en bas code 25 individus qui impliquaient dans question fraude dans cadre d'une opération qui baptisée Nightingale qui était commencé depuis dans l'année 2019 mais je dis à li abouti à 25 arrestations. C'est pas ti causé non mes amis, c'est plusieurs millions, plus passé 100 millions de dollars que moun sa yo fait dans vann faux diplôme infirmière. Toujours dans pays États-Unis, bonne nouvelle pour moun TPS, donc des décisions qui annoncé pour prolonger TPS. Nous pourrons venir ensemble avec détail ça, mais avant ça, n'a demandé ou même cap de là pour abonner avec média ça parce que c'est vraiment important, c'est une façon capable aider nous grandir famille ça. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information ayez, nous pourrons chercher pour le baou Jean-Lia. Oui, ça j'ai pas campé d'après entrer dans détail, FBI mettait en barcode 25 individus qui impliquait dans la question fraude dans le cadre d'une opération qui baptisait Nightingale qui était commencé depuis dans l'année 2019 après information que était jeune qui poussait FBI était même voué un agent infiltré à le faire comme s'il a acheté diplôme donc la pas prendre pour bal diplôme pour être capable sûr que moun sa yo donc ta parole yo tendia c'était vrai eh ben grand étonnement yo Van agent FBI là carrément un diplôme pour environ 16 000 dollars américains. Donc yo te vin jwenn assez preuve qui pouvait gen fraude à tout bon. Et pour te commencer opération si là, j'en te dit il y a depuis dans l'année 2019, premier deux moun FBI était ciblé qui menait arrestation jusqu'à 25 moun jounen jodi a c'est deux hommes d'affaires qui c'est Giralda Adrien avec Roosevelt Prédestin qui était finalement plaidé coupable pour un complot dans la question fait courrier avec fraude électronique. Il était accepté coopérer avec autorité. Ensuite, il était condamné pour passer plus passer de l'année à 3 mois en prison dans l'année 2022 qui s'est passé là. Adrien a gagné, a travaillé dans deux écoles privées, il était associé avec yo. Et puis Prédestin, c'était un employé li tous deux monsieur dans complot ensemble avec Siena College of Health et puis Siena Education Center dans Lauderhill à Palm Beach School of Nursing qui trouvait dans Lake Wharf pour un faux diplôme à faux relevé note selon archives judiciaires. Et c'est là autorité au travail ciblé présidente Palm Beach School of Nursing là Johanna Napoléon dans West Palm Beach qui lui-même lui plaidé coupable dans même accusation faux diplôme ça elle était accepté coopérer avec autorité yo. Donc c'est trois moun sa yo qui c'est Adrien Giralda et Roosevelt Prédestin avec Johanna Napoléon. Nous t'as décausé, mes amis. Donc, c'est depuis 2019 dossier ça là. Il n'y a pas de fabrique comme ça. C'est qu'on y a là, bagarre après, elle vient éclater dans le moment que FBI a arrêté. Il y a 25 personnes. Faut que nous disions, j'en saute dit tout à l'heure. Rappelez que c'est depuis 2019, FBI a été commencé à joindre information qui poussait à l'enquêter. Même voyez un agent FBI à le faire comme si c'est apprendre, là, pas apprendre. Nan l'école sa yo ki te gen soupçon sou yo mais carrément Adrien qui te fait face carré ensemble avec agent FBI là sans pas même connaît donc yo te vann agent FBI là yon diplôme pour 16 000 dollars américains donc et pourtant c'était enquête qui t'a mené mais sérieux c'est goba en tout cas donc pour nous continuer avec information yo et trois moun nous dit ou qui mené avec 25 moun sa qui arrêté donc 3 mètres à faire aussi Adrien Giralda, Roosevelt Prédestin avec Johanna Napoléon qui lui même tout plaidé
coupable pour sa autorité ou reproché ou a, et qui accepte de coopérer. J'aime dire qu'il y a qui mené arrestation 25 mounsayo et de l'autre mounio nous dit Adrien avec Géralda yo déjà condamné yo même mais Johanna Napoléon pour qu'on y a les mêmes laptan soli. Pour nouveau acquisé yo gagné Enid de Sanon c'est propriétaire Siena College Earth gagné Siena Education Center ak Charles Etienne qui c'est président Sacred Heart International dans Fort Lauderdale. Donc Sanon dans tête collée ensemble avec Adrien Van 2016 faux diplôme ak faux relevé de notes by étudiant. Donc en pile cause dit dans article si là que Miami Herald écrit ça cap dit c'est pas moi qui dit yo et toujours d'après Miami Herald c'est plus passé 100 millions dollars réseau si là fait dans vendre faux diplôme dans l'école infirmière en bas table si là yo. C'est mercredi 25 janvier 2023 journal Miami Herald annonçait que agent fédéral yo t'est arrêté environ 25 suspects yo accusé nan van faux diplôme infirmière à plusieurs milliers étudiants qui t'ai utilisé faux diplôme ça yo pour passer examen qui permettre yo joindre licence dans plusieurs états tant que Floride, New York, New Jersey et Texas. Réseau si la cap fourni faux diplôme infirmière qui basé dans sud Floride te prend entre 10 000 dollars dans chaque élève pour un diplôme infirmière auxiliaire autorisé et puis 17 000 dollars pour un diplôme infirmière qui est enregistré. Donc, ça n'a pas même recevoir formation appropriée, adéquate d'après autorité fédérale et dossier tribunal. Donc, ça qui passe ensemble avec ça, c'est comme si si vous avez dû passer 4 ans sous l'école pour apprendre et pour. Et prend toute dose pour qu'on ait pour capable de devenir auxiliaire, une infirmière qui prend plus de temps, auxiliaire 2 ans, infirmière 4 ans. Donc, tant ça, ou t'as de passer souvent l'école pour apprendre, non? Monsieur Dame Sayo, qui gagne de l'école qui a fourni faux diplôme, ne pas même permettre Moun Sayo prendre tout le temps ça pour apprendre, badge fait manger. Bon, agent FBI qui était infiltré à l'apprendre dans l'école pour être capable de mener enquête là. En 3 semaines seulement, yo bali faux diplôme c'est là et nan date yo si par exemple on entre dans l'école là en janvier 2023 là, pou bon diplôme nan pou capable détourner faire fraude, yo mette ou t'es là dans telle année jusqu'à ce que pou ka montrer que ou t'es fait tant. Donc non pays donc on est tout petit bagay yo gagné sou yo, ben monsieur dame ça yo t'es pour chance pour al faire donc fraude, ben yo mette yo en barcode. En pile nan étudiant qui victime nan cause acheter faux diplôme neuf sa yo et sa yo pas même recevoir formation adéquate pour ça sorti dans communauté haïtiano-américaine là dans sud Floride. 7600 étudiants c'est quantité moun sa yo que autorité yo estimé qui payait un total 114 millions de dollars pour acheter faux diplôme dans sciences infirmières à l'école nurse en Batab sa yo dans sud Floride sorti 2016 pour arriver 2021 causé en pile dans la République donc avoir information ça a circulé sur toutes réseaux sociaux tout simplement parce que le gagnant youn nan moun yo qui sien Napoléon qui s'est approche Napoléon donc en pile parole a cléoné donc pas faire fuite en avant m'a rete suivre de près donc l'autre information que nous pote pour c'est concernant nous on est depuis hier environ 20 états qui a dirigé par républicain fait qu'on est programme Biden là illégal pas respecter la loi ben 20 états ça parmi Floride mandé pour programme là camper et grand pile haïtien qui vraiment a inquiété pourquoi elle est là parce que peur pour programme pas ta fermer sous yo et quoi elle est là en pile côté dans plusieurs bureaux d'immigration en Haïti. C'est full pile moun sou pile moun a essayer faire passeport pour capable ouais si a jeune chance aller dans programme là. Donc pour moun qui gen envie voyager dans programme Biden là, il toujours là jusqu'à ce que pour qu'on tribunal qui décide pour qu'on juge qui décide pour dire il a camper programme là, il toujours là par contre personne qui a dit dans programme camper.
20 États mandé pour camper, mais toujours là jusqu'à ce qu'un juge décide. Donc, il est toujours en vigueur. Nous avons toujours mandé proche nous pour être capable d'appliquer pour nous. L'autre nouvelle encore, qui c'est très bonne nouvelle, surtout pour les gens qui tapent tant pour prolonger la TBSO, l'immigration a annoncé que donc yo et prolonger TPS pour moun 2021. Donc il a permis yo prolonger TPS jusqu'à 2024 et c'est demain jeudi à processus enregistrement a commencé moun TPS yo nou gen bagay nan men. En tout cas, en plus moun a bat bravo pour Biden nan moment qui prend une décision que moi-même toujours estimé que son décision politique. Ça me tape des moun qui pensait que programme Biden n'a fait rien. Imaginez-nous, nous pourrions tomber et une année et élection 2024 là, Biden par un monde qui était comme ça l'année qui prend décision comme ça, bien conseiller, il connaît qui conséquence ça t'a bien, il connaît adversaire, il connaît démocrate, il connaît républicain, il t'a pas réagi. Il pas t'a jamais arrêté pour une décision comme ça et puis boum, bien facile. 20 états font demande et puis yo campel bagay la tap trop facile et si ça t'a fait et républicain yo t'a campé programme nan t'a pas coup dur pour Biden, il t'a pas coup dur pour Biden parce que il cap essayer font série de actions poser actions politiques on est à qui attention mais parce que programme nan capable toujours camper mais facile comme ça. Jour au lendemain, à peine moins qu'un mois pour le camper, arrêter quoi ça, me penser la prendre quelque temps encore et en attendant, bien une décision qui prend ou bien s'il a toujours été net jusqu'à ce que temps yo baille là. L'autre information qui est vraiment importante, c'est pas bon la caille pas nous en Haïti concernant la police, donc cap prend coup sérieusement. Et si récemment tu as gagné au moins 4 policiers qui perdu la vie dans une opération dans Métivier côté bandi vite l'homme a tué policier, eh ben jeudi encore journée mercredi 25 janvier 2023 au moins 6 policiers gagné information qui t'a fait connaître c'est environ 7 policiers qui mouri parce que si c'était dans main nous t'a regardé image Jean bandi t'a montré que c'est policier qui dans main yo et gain qui t'a l'hôpital qui t'a blessé gain l'autre policier tout qui t'a embarragé à chercher au pare donc au moins 6 policiers mouri bilan qui capable augmenter plus gain tout 6 bandits qui perdit la vie dans cadre de plusieurs affrontements qui fait jeudi à seulement dans Liancou et faut que nous dire c'est une opération que la police t'a mené et la dans un premier temps policier qui t'a fait face carré avec bandits qui semblé prend policier non pas comprendre yo replier ben y a la préparer pendant police au campé gen octobre même a fait circulation bandi au paraît yo ba yo yon coup si prise et malgré police yo tal refugio dans dispensaire Moro Douéa et déposer zam les bandi yo paraît il faut que nous dire les bandi yo paraît selon information qui vient nous police yo a vidé balle sous bandi yo gen nan bandi yo ki tombé comme ça tout gen k'ap marché sous policiers et comme si apparemment c'est des monde qui pas ta percer donc il y a des cartouches, il y a des munitions, il y a des balles sous policiers qui t'a essayé repousser là où pas capable encore où il y a le refugio dans dispensaire Moro Douéa malgré ça bandio entre prend policiers malgré policiers dépose des armes des mains en l'air nèg sans pitié crucifier sacrifier policiers j'en a regardé dans image qui a circulé donc c'est vraiment triste pour comment bandio sacrifie policier ça donc c'est vraiment triste ça qui passé dans Liancou jeudi à la et policier qui mouri au nord c'est Norabert et Keter et Donaldson Madin Félix Camille donc c'est non 6 prénom 6 policiers ça qui perdit la vie dans Liancou département la Tibonite jeunin mercredi 25 janvier 2023. Donc c'est vraiment triste rappeler que il y a plusieurs policiers qui sont en opération dans le village de Dieu. C'est presque même quatre figurants et ça pidian en seulement année 2023 à peine je dis à 25 janvier il y a 13 policiers pour pipiti qui mourent parce que bilan capable plus que ça. Donc c'est triste ça qui a passé
dans PNH là policier a tombé tribobabo et ça fait mettre et bandi en confiance ils ont question et aide pour force étrangère ta vinn bay Haïti pour aider la police nationale là Canada ensemble avec États-Unis semblait pas trop intéressé avec question aide ça et policier la guerre des bois pendu et bagaille compliqué à pile policier a reproché supérieur qui mal coordonné opération qui voyait policier comme si dans l'abattoir et voyait policier pour bandi faire ça n'a pas gardé là il pas normal pour bandi a crucifié sacrifier la police comme ça c'est vraiment triste. L'autre information encore, nous pas ba information ça, nous connaît avec question programme Biden nan, gagne moun k'ap déplacer pour le faire passeport dans divers côtés. Et ben nan Miragwan, nous connaît grand pile moun qui t'est déplacé, qui t'est même t'ap dormi devant immigration Miragwan nan faire passeport. Ben selon information qui rive jeune nous, jeune en pile pour capote dans espace côté yo j'ai donc tribunal là même toilette dans la cour que ça qui poussait administration tribunal civil Miragwan prend décision personne parité dormir devant immigration parce que non seulement a fait des ordres il a fait saleté tout en tout cas ici mes amis non pas de problème oui. En tout cas environ 35 000 monde qui travaillent dans bureau transfert à travers tout territoire national a risqué perdre job yo et dans jour cap vini là yo suite à ce qui est 114-3 Banque République d'Haïti BRH mette de yo a côté dans article 1-4 là li exige pour agent bureau et transfert yo pour yo négocier 30% bénéfice fait en dollars américains à qui ont intermédiaire la bien pour choisir c'est président Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti a annoncé nouvelle ça dans cadre d'une conférence pour la presse mercredi 25 janvier 2023 Pierre Renel qualifié décision cela comme un préjudice parce que lui estimait l'état pas qu'à lever un bon matin pour la prendre bénéfice yo même comme sous agent transfert entré sous transfert alors que qui déjà prend 70% avant ça puis loin monsieur Pierre expliquait c'est dans chômage l'état besoin mettre yo pour justifier tel cela, les révélés BRH connaît bien c'est à travers 30% ça, soit agent au pays, moun kap travail, acheter matériel et la trier. C'est menti 7 fois, 77 fois, BRH pap kap pran bénéfice en dollars ça pour mettre en goud. Napto kap fè le plaisir à la tête une attaque, non sans ça, annoncé, kap obligé fermer tout bureau dans jour kap vini là pour forcer Banque République d'Haïti camper sous mesi. Pour être si là donc c'est vraiment un coup dur si ça arrive fait pour moun qui a pris ses voix transfert et surtout moun qui a travaillé dans le si là si vous avez fait mes potes on regarde et objectif et conférence de presse c'est pour nous capable expliquer avec la population raison d'être qui fait que nous même dans une attaque qui c'est l'Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti et que nous prenons décision à partir de un circulaire que BRH li mette dehors, qui c'est circulaire 114-3. Et précisément, c'est article 1.4, côté que BRH li mandé à tout sous-agent et pour négocier ça ou les 30%, remboursement de 30% que vous avez compté en dollars avec un particulier qui est autorisé par BRH ou bien avec banque commerciale. Donc nous-mêmes, en tant que sous-agents, nous estimons que l'article 1.4 là, l'y fait à fond. Donc pour ne pas dire que c'est abus que BRH nous fait avec nous-mêmes qui sommes des sous-agents. Nous remarquons que depuis 2020, Banque Centrale, qui est menée par Jean-Baptiste Dubois, qui est gouverneur BRH de la BRH, nous voyons que par une décision que Monsieur Baden Dubois, il prend dans tête BRH qui en faveur nous-mêmes, qui c'est sous-agents, qui c'est deux mondes qui a vivre, qui a bail toute vie nous, qui a bail sans nous, qui a risqué l'argent que nous prêtons dans la banque pour nous capables de bail toute en population service. Bon, naturellement, nous connaissons que il y a un pile monde qui pas comprendre
Là, il parle de sous-agents et de transferts. Nous estimons que grand pile monde qui pas comprendre ça veut dire. Donc sous-agents de transfert sont une équipe monde qui risque vie. D'ailleurs tout le monde connaît qui ça qu'a fait et dans la société en termes de sécurité. Sous-agents de transfert sont une équipe monde qui prête l'argent à la banque pour qu'a bail une population service parce que nous sommes société qui dépend essentiellement de transfert de la diaspora. Maintenant nous c'est deux monde le pays a fermé ça ou le pays lock 2 mois, 3 mois. Caprice que nous fait tout moyen possible pour ne pas quitter population rété sans ne pas payer au transfert parce que nous connaissons que qui ça ka fait le par exemple yon citoyen qui gon famille à l'étranger qui voye $20 $30 $50 pour les sont à l'étranger donc c'est lui même l'attendre pour capable faire manger la caille donc le li a marché li pas ka venir nous connait qui ça veut dire parce que nous mêmes nous sommes dans matrice population parce que nous mêmes nous c'est petite population donc en dépit de tout ça qui fait, en dépit de toute décision BRH prend, malgré yo pas en faveur nous, malgré yo sorti pour craser business, mais nous toujours été là n'a pas lutté, nous pas voulu entrer dans la logique et faire même bureau transfert parce que nous connaissons que les pas bon pour population que nous-mêmes nous appartenons à lui-même. Maintenant, tout le monde rappelle que en 2020 BRH te sorti un circulaire qui c'est 114-2 côté que BRH te fait injonction avec nous-mêmes sous agent pour nous payer de transfert en goutte. Maintenant, nous sommes campés en un seul nom avec la population pour nous dire que il pas en faveur la population parce que ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas un grand excellent qui servait à dollars et tout le monde dans la société a besoin de dollars pour fonctionner. Parce que nous sommes une société qui dépend de dollars. Alors, comme c'était une décision d'État, et de fait, nous-mêmes nous pas cagoumés avec l'État, automatiquement l'État prend une décision et que la bon, nous estimons que la bon pour la société, nous pas gagné pour nous camper en face de l'État. Donc nous t'ai choisi entrer dans schéma ça parce que nous t'ai pensé que t'as pas porté une solution avec tout dollar qui a monté chaque jour. Eh bien là nous venons rendre compte de 2020 à nos jours et dollar passé de 100 gouttes à jeudi à la 160 gouttes sur marché et nous voyons que BRH pas jamais prend aucune décision pas jamais prend en rien et pour capable chercher moyen pour descendre dollar et dollar à chaque fois que lui monte, c'est plus mon effet pauvre, c'est plus misère qui crée, c'est plus mon qui pas qu'à manger. Donc, comme on comprend aujourd'hui là, l'homme qui a $100, il a 15 000 et qu'est. Donc, ça, M. Dubois, au lieu que lui chita à target et sous agent, je pense que lui a préféré pour lui chita sur un schéma pour comment pour gérer la question de tout dollar qui a monté chaque jour sur le marché. Parce que j'aime dire là, il crée plus misère dans la société. Deuxième bagaille. Et M. Dubois, avec 114-2, je crois que le tableau de marché informel, je veux dire qu'il y a plus de mouvements qui ont fait dans le marché informel. Parce que les décisions, il y a plus de gens qui courent des dollars. Et il y a plus de gens qui dépendent de dollars. Et ceci, je veux dire que tout le monde a rendu compte, l'homme a besoin de faire une transaction bancaire ou obligé de lever la caillou. À 2-3 heures du matin pour acheter devant une banque pour qu'attendre un transfert parce que ils estiment que c'est un banquier pour transférer à sortir. Et ça n'a pas créé aucune solution parce que jusqu'à présent, dans le banquier, leur arrive tout, banque n'a pas de dollars pour le bail. Et ils ont dit que cette décision, ça a même mieux compris parce que la population a plein que nous n'avons pas de bail de dollars. Et si je bien comprends, c'est un état de fait, c'est une condition de mettre la donne pour arriver là ensemble avec nous. Et circuler également ce cadre de tirer de là. Et en troisième lieu, il crée plus d'informalité, surtout dans le domaine de transfert. Je dis à là, si nous rendons compte, nous avons un paquet de transferts et sous-côté qui a créé en dehors des marchés de transfert formels. Et un paquet de transferts, et pas besoin de citer, non, tout le monde connaît déjà. Donc le fait que la population n'a pas joué un cobli en dollars, qu'on est obligé de fouiller la tête dans l'informel là. Nous avons une série de titres transferts informels pour être capable de l'argent en dollars. Encore, la majorité de transferts, gros transferts qui sont venus dans le pays à Kounia, si on a besoin de Saint-Domingue Aldel, tout ça a contribué à craser le secteur transfert. Donc, nous-mêmes, là, nous faisons toute analyse ça, et là, nous tenons compte de toute irrégularité ça, que la décision BRHU a créée. Et le nous analyser, et article 1.4
BRHA qui sortit dans le circulaire 14-3. Nous estimons que vraiment, pas gain, c'est pas que l'État a vraiment voulu mettre un l'ordre dans le système. Là. Parce que là, l'État a besoin de mettre l'ordre, il chita avec tout le monde qui est concerné. C'est pas un bonjour matin, on le veut, on décision prend. Et que le monde vraiment qui est concerné dans le système, là, et que c'est constaté ou constaté. Donc, nous-mêmes nous dit clair que l'article ça, il n'a pas créé conditions pour nous rester en vie dans le système et le transfert là. Parce que l'a crasé le bureau davantage. En 2020, presque 10% du bureau transfert qui était fermé, qui n'a pas qu'à Kimbe. Je dis à la, si la décision ça a passé, je suis sûr qu'il y a plus que 50% dans le bureau transfert qui pourrait le fermer. Donc, c'est dans l'optique ça, nous-mêmes, nous écrit BRH, nous fait ça formellement, nous écrit M. Baden Dubois, côté que nous demandons pour le sursoir sur l'article ça, que nous estimons qu'il n'a pas fait affaire des bureaux de transfert. Donc, et si toutefois, il n'y a pas cherché, je viens en entente avec nous-mêmes qui sommes des agents autorisés, pour nous pas qu'il moyen nous qu'à gérer le problème là. Comme nous n'avons pas l'autre moyen, j'en ai toujours dit, nous n'avons pas deux personnes qui ont négocié pour nous dans le gouvernement, nous n'avons pas les oreilles, M. Baden Dubois. Donc, la plus grosse force nous avons, c'est le bureau de transfert. Donc, nous n'avons pas des excuses avec la population. Si toutefois, l'article s'est entré en vigueur, nous avons obligé de fermer le bureau de transfert. De ça, comme on a demandé la donne, c'est que déjà, l'État, BRH, il a retiré 70% de ce que nous avons gagné comme bénéfice. Dans le système là déjà, 70%. Et comme c'est Mdado, sous 100 gouttes où tu as gagné pour te fonctionner, l'État prend 70 gouttes là-dedans. Il boit 30 gouttes. Donc ce qu'on a là, c'est 30 gouttes ça, il m'a dit pour négocier avec encore. Donc nous comprenons que tacitement, c'est un moyen, c'est une façon que la Banque centrale est mélangée avec et monsieur qui a mené la Banque centrale, parce que forme d'où. Il y a des décisions qui peuvent demander est-ce que c'est vraiment c'est l'État qui a pris. Nous estimons que c'est abulier parce que nous-mêmes dans le bureau de transfert, nous faut que nous fonctionnions. Nous achetons des batteries parce qu'il n'y a pas de courant dans le pays. Nous achetons des laptops, c'est nous qui achetons des laptops. C'est nous qui payons les services, nous payons l'agent de sécurité. Nous payons un paquet de frais de fonctionnement. Nous payons les employés. Nous parlons d'employés, nous parlons de 30 000. De 30 000 à 35 000 employés que, sur tout le territoire que nous payons et travaillons. Donc, comme on comprend, nous allons bonjour matin pour on l'État, on qui est censé pour dire qu'il a pour réguler un système, pour le camper un bonjour pour dire bon et la phrase du système ça. Donc, nous voyons que négocier 30% sont façon de tacitement que vous demandez pour reprendre encore. Ça veut dire que pour nous bailler l'État ou bien pour nous bailler 100% que nous avons gagné dans la main. Et négocier, c'est qui ça? C'est que 30% c'est ça a été conversé nous en dollars qui qu'on était sur compte bancaire non et nous même qui ça nous compte ça avec nous compte prendre et gain pile sous agent qui gagne d'autres entreprises et mis à part de transfert là qui compte faire des commandes et de marchandises ça qui gagne caille qui paye en dollars internet c'est en dollars ça paye soit acheter une batterie jusqu'à présent $100 yo paye donc gain monde qui utilise à d'autres fins et négocier là veut dire c'est qui ça et que pas arrêter sur compte ou pas gagner accès avec. Et que obligatoirement, soit on change avec maison de transfert à quoi affilié avec là, ou bien BRH lui-même impose un monde que lui-même lui reconnaît, j'en dis à qui est agréé, et puis l'abdomen sale cabarou sous liste, après on doit laisser. Et obligatoirement, ou obligé de négocier avec soit un jambe de la maison mère ça a affilié avec là, ou bien on banque quelconque, ou bien on. Bon, sous même parenthèse, ça forme de que. Même pas à comprendre que Banque Centrale. Qui l'a pour gérer et question marché économique là parce que banque pas gagne pas bureau de change yon banque pas gagne principale activité pour faire change comment on pourrait demander pour négocier là avec un banque ou bien alors que dit moi même moi pas gagne doit faire change or moi gagne patente moi gagne tout ça ou demander pour moi gagne donc si BRH effectivement besoin mettre en l'ordre dans système là. Que BH, bonjour matin, j'ai sorti une note là. Il sorti une note qui dit que il y a tout agent autorisé et autorisation pour faire change. Et puis, il m'a demandé un rapport chaque matin. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est, vous voulez dire, et 30% ça qu'on gagne en dollars américains, et t'as laissé un goût pour elle. Est-ce que c'est ça l'idée? En quelque sorte, c'est ça. Parce que, sous obligé de négocier avec les banques là,
Donc on y a là on négocie, pas même négocier parce que souvent ou pas de possibilité pour dire banque qui te pour le bail. C'est banque cap de mec qui te le bail. Il y a un système pour ça. Là de mec qui te le gagne et puis tout même on va pas vendre à banque là. Banque là bon good pour lui. Donc en un mot, soit dire c'est ça, c'est good là bas. Donc ça en un mot, on dit que c'est 100% hein, que vous prenez en amont au lieu de 70% qu'on y a au prend 100% en amont. Donc ou même ou pas gain ou pas de vivre ou pas gain famille pour occuper. Donc c'est maintenant qu'on a fait, nous n'avons pas de cas pour nous payer, nous n'avons pas d'emploi pour nous payer. Vous comprenez? Donc, c'est, en un mot, c'est ça que je veux dire. Donc, l'État, en tant qu'organe qu'il a pour promouvoir la création d'emplois, j'en ai toujours dit, ou bien pour gérer le système économique, là, donc, nous demandons l'État pour le ressaisir par le biais de M. Jean-Baden Dubois, qui est gouverneur de la BRH, et que nous-mêmes, qui sommes majorité moteur économie pays, nous dit que c'est une décision qui part en faveur non. Donc nous pas de problème avec l'État pour négocier parce que c'est l'État. Nous pas de problème pour nous dire que mais ça cap bon pour nous et que pour nous notre terrain d'entente pour nous pas que moyen nous-mêmes nous capable toujours été en vie dans le secteur économique. Parallèlement nous avons fait une revendication dernièrement ce qui a trait avec un membre de une attaque et la police t'a arrêté semble-t-il qu'il est libéré. Est-ce que c'est confirmé? Si oui, est-ce que tout est OK pour les prisonniers? Oui et nous effectivement nous avons un membre qui dans l'association que la police a arrêté qui t'a circulé avec une quantité de cash effectivement il vient de libération bien que le processus a pas encore fini parce que jusqu'à présent machine ni et corbeau était saisi maintenant et tout l'autre matériel était prendre main tout yo séquestré dans et au niveau de BAF donc yo pas encore remettre mais on dit que c'est un processus qui est en cours. Mais ça qui est essentiel, c'est que les jeunes libérations.